Welcome to a series of netcasts brought to you by Yale University. Here is a panel discussion featuring veteran French instructors talking about their experiences teaching with French in Action. The panel was part of the French in Action reunion held at Yale University on October 30th and 31st, 2010. The reunion brought together the stars and creators of French in Action, including Pierre Capretz, Valérie Alain, and Charles Mayer. Je pense que, enfin, ce matin, beaucoup d'entre vous ont entendu parler du plaisir d'enseigner. Et donc, je pense que je vais réitérer cette idée que pour moi, ça a été vraiment un plaisir d'enseigner French in Action. Non seulement un plaisir de voir que les étudiants, après un mois, peuvent parler un français, quand même, peuvent poser des questions sans être ridicules, peuvent comprendre. Et ça, c'est toujours un plaisir renouvelé vraiment tous les ans. Et aussi le plaisir de les voir rire. Que le programme French in Action, c'est tellement engageant. Et comme Pierre le dit au départ, ça va être amusant. Et c'est vrai. Et quand je les vois un peu surpris, quand on va parler des complexes de Robert, ils sont à la fois choqués parce qu'ils sont américains, hein, donc ils ne parlent pas des complexes. Et là, ils vont pouvoir en parler. Donc du coup, il y a toute une timidité, toute une espèce de censure en fait, qui disparaît. Et alors le jeu commence. Et donc pour moi, ça a été... Tous les ans, c'est un peu renouvelé, c'est ce plaisir d'enseigner. Moi, j'enseigne avec Barry, nous enseignons dans une université de jeunes femmes. Et donc, il y a toujours, on parlait de est-ce que French in Action n'est pas féministe. Et pourtant, à la fin, il y a ce scénario extraordinaire qui finit, on voit Mireille qui porte Robert dans ses bras. Et alors là, on entend les trépignements d'étudiants qui adorent cette fin, ou cette possibilité de fin. Et donc ça c'est aussi des moments extraordinaires. Et pour moi, en tant que prof, ça a été que Pierre a vraiment capturé la langue. Quand les étudiantes me disent « mais je ne suis pas ta bonne », ah bon, ou bien ça suffit comme ça, je dis bon, ça y est, il y a quelque chose qui a marché, elles ont compris, et ça c'est bien. Et pour moi aussi, c'est que c'est un scénario, mais c'est aussi un texte, c'est quelque chose qui est extraordinairement bien écrit, le texte de French in Action. On parle beaucoup de l'aspect vidéo, mais quand tu peux imaginer le travail qu'il y a derrière, Il y a un jeu avec les mots, il y a un jeu avec les images. Par exemple, quand Tante Georgette trie les lentilles, elle a l'air de s'ennuyer. Alors moi, je ris à chaque fois parce que moi, ça me fait rire. Voilà. En plus, j'aime bien les étudiants trépignent de joie. Moi, ça m'amuse toujours. Les jeux de mots de Pierre m'amusent toujours. Et c'est un plaisir. Et aussi pour moi, puisque dans la mesure où j'ai travaillé avec Pierre de 82 en fait à 85, c'est pour moi d'avoir ce tutélage du super prof, et je me sens protégée quelque part devant mes étudiants d'avoir Pierre, d'avoir des amis autour de moi comme Sylvie que je retrouve à chaque fois tous les ans. Nous avons vieilli, mais bon, c'est toujours un plaisir. Voilà, je voulais parler de ce plaisir d'enseigner et d'avoir vécu l'aventure de French in Action. J'ai peut-être été trop long. Oh non. Non. Vous pouvez même continuer. So next we'll turn to Carol Herron, and le même rire existe. Oui, le même rire toujours. Je voudrais parler de quelque chose, sujet un peu différent. C'est la peur que j'ai, que les gens qui abandonnent French in Action. Depuis des années, je vois de moins en moins de gens qui utilisent le programme pour des raisons différentes. Je pense, pourquoi vous n'enseignez plus avec French in Action? Même mes propres
les professeurs qui ont travaillé avec moi avant, qui sont dans les autres universités maintenant, n'utilisent plus French in Action. Et quand je pose la question, ils disent « Oh, mais French in Action me manque beaucoup ». On doit très bien si French in Action vous manque beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que vous ne l'utilisez pas ça dans votre programme, dans notre université? Et on me donne des raisons diverses. Ce n'est pas assez contemporain, c'est trop amusant, et c'est pas assez sérieux. Ah oui, pour toutes les raisons pour lesquelles j'utilise French in Action, ils disent, bon, ça ne marche pas tellement avec les autres collègues, ou ma collègue a un programme que... Alors, ils préfèrent. Et puis, je n'ai jamais entendu personne qui me répondait parce que les étudiants n'ont pas réussi. Mm-hmm. Jamais. Avec toutes les personnes que j'ai posé cette question, j'attends une professeure qui me répond, mais j'ai essayé, les étudiants n'ont pas réussi, ils n'ont pas appris le français, c'était catastrophique. C'est toujours d'autres raisons. Et c'est pas bon ça, et c'est pas bien. Et puis, si il y a maintenant, quand on assiste aux conférences de ACFO, MLA, ou n'importe où, alors les sujets, c'est plus comment enseigner avec la méthode communicative, c'est plutôt comment être literate, comment enseigner la littérature, même dans les cours les plus élémentaires, comment traiter la lecture, l'écriture. Les étudiants ne savent pas lire. Si on va défendre le français devant les autres, devant l'administration, comment est-ce qu'on va défendre le français? On ne peut pas défendre le français en disant qu'on va enseigner les étudiants à parler. C'est pas assez. Il faut dire que nous allons aussi apprendre aux étudiants comment penser, comment réfléchir. Et quand j'entends ces arguments, oui, ils ont raison. Toujours en education, les gens ont raison. Nous avons les meilleures intentions du monde, les gens qui sont professeurs. Mais ce n'est pas la peur. Le problème, c'est que pour moi, à mon avis, que nous abandonnons l'idée de n'enseigner qu'en français. C'est essentiel. Dès le début, à mon opinion, de créer dans nos classes cette idée que nous sommes en France, ou nous sommes à la Martinique, ou nous sommes au Canada, mais nous sommes dans un pays francophone. Et puis, sans ça, si on permet l'anglais, soit dans les livres, soit dans les cahiers, soit le professeur parle anglais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne crée pas cette île que nous voudrions créer dans nos classes. Et puis, je crois qu'avec French in Action, il y a de la lecture, il y a des poèmes, il y a des chansons, il y a des philosophes, les citations de philosophes, donc, il y en a. Ça existe en French in Action. Il faut simplement l'utiliser. On peut tout traiter avec French in Action. Mais quand je parle des professeurs qui enseignent maintenant dans les écoles secondaires, c'est plus peur que même aux universités. Ils utilisent les textes, les livres avec l'anglais. Alors, et puis, ça, c'est, je trouve que c'est une menace. Et c'est ça que je voudrais partager avec moi. Moi, je suis toujours optimiste. C'est ma personnalité. Et je préfère rester... Mais pourquoi est-ce que nous sommes la minorité? Et nous devrions être la majorité. Comment convaincre d'autres professeurs de soit adopter French in Action pour la première fois, ou soit réutiliser French in Action, ou... continuer à utiliser French in Action? Alors, ça, c'est ma question que je vous pose, parce que, évidemment, vous êtes ici, parce que vous êtes du même groupe que moi. malheureusement, je crois, peut-être que je n'ai pas raison, mais vous croyez que nous soyons la majorité aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais c'est dangereux d'abandonner nos principes. Et les principes que professeur Kapretz a fondé. Je suis tellement fière de lui et je suis tellement fière de Yale University de recommander avec cette recommandation tout ce qu'il a créé, parce que c'est la seule chose que nous avons qui vraiment enseigne tout en français, sans l'anglais, et puis c'est une réussite. Alors, et j'attends quelqu'un qui me... Attends, si vous trouvez un professeur qui...
Oh, j'ai essayé et les étudiants n'ont pas aimé. Ça n'a pas marché. Dites-leur de m'envoyer un email parce que je voudrais faire leur connaissance. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. C'est mon message pour aujourd'hui. Merci. Et donc, nous avons commencé par le rire, nous sommes passés par la peur, mais nous sommes de retour à l'espoir, à l'optimisme. Est-ce vrai? Je vais faire le rire. Et la peur. D'abord, je voudrais vous remercier, M. Gapret, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé à French in Action. C'est une petite merveille, c'est un bijou. Je rejoins un petit peu ce que vous venez de dire. Pour moi, c'est une méthode, même s'il est un petit peu dépassé de temps en temps, oui, les vêtements de Mireille et ci et ça, malgré tout, chaque année, je me pose une question. C'est le mois d'août, il faut faire le syllabus, et je me dis, chouette, on recommence. Et puis, l'autre jour, je me suis dit, mais je recommence depuis combien de temps? Alors, je recommence, je suis pleine d'enthousiasme, je vois la leçon de les étudiants, ceux qui veulent absolument comprendre chaque mot, et madame, c'est quoi? Et ça, ça veut dire quoi? Je sais, mais je ne vais pas répondre. Tant pis, il faut continuer, il faut avancer, bref. Donc, la joie d'enseigner avec French in Action, parce qu'après tout, je ne peux pas penser à un autre livre de cours que je pourrais tenir en main pendant plus de 25 ans. Je crois que je serais devenue une très mauvaise professeure. J'aurais très mal enseigné, j'aurais été blasée, j'aurais laissé passer plein de choses. Tandis que chaque année, French in Action, chaque septembre, c'est... Voilà, on retrouve ses copains, on recommence, c'est la fête, en avant, on a de nouveau 20, 40 nouveaux étudiants qui vont paniquer pendant quelques heures au début. Et puis, tout va très bien se passer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'avec French in Action, ça ne marche pas, on n'apprend pas. Non. Bien sûr, on a tous de bons et de mauvais étudiants, ceux qui réussissent bien, ceux qui réussissent moins bien, mais la méthode marche. C'est plus qu'évident puisque... nous l'utilisons en Wesleyan depuis 25 ans. La peur, il me semble, si je me souviens bien, qu'il y a un petit peu un creux dans l'enthousiasme de French in Action auprès de certains de mes collègues. C'était surtout à l'époque, je crois, où nous commencions à avoir des étudiants qui venaient du secondaire et qui avaient déjà fait French in Action. Et alors, chaque fois que j'ai eu ce cas, je dis, OK, what do you mean? You did French in Action. Oh, we watched a video. Oh, OK, very good. Well, this is not what we do here. We work with the video. We teach with the videos. So, you have not done French in Action. You have seen the movies. Donc, là, je pense que ça a peut-être eu un petit effet négatif sur le French in Action, mais maintenant, je pense que nous sommes de nouveau en bonne position. Je n'ai jamais eu de plainte, ni de la part d'étudiants, ni de la part de collègues. Les étudiants adorent French in Action. Je pense que c'est une méthode, je retourne à la joie, qui est agréable à enseigner. Et je me répète, si je peux le faire avec enthousiasme, sourire, rire, pendant autant d'années, c'est qu'il y a quelque chose dans cette méthode qui fait que c'est possible. Bon, je vais enchaîner sur la propagande et la joie surtout. Mais la joie, une joie qui est fondée sur, excusez-moi, un sexisme ouvert. J'avoue que mon approche avec mes étudiantes de Wellesley College est une approche rigoureusement sexiste. Nous faisons une joie de... Et je suis content que Charles ne soit pas là. De nous moquer de Charles, de Robert. De Robert, oui. De Robert. D'abord parce que, bon, c'est vrai que son enfance a été perturbée, parents divorcés, mère remariée, etc. Il a donc des complexes. Il n'empêche que c'est un jeune homme qui est rigoureusement en dessous dans la relation entre Mireille et Robert. Mireille is definitely on top. Et mes étudiantes le sentent. Elles sont ravies. Par exemple, il y en a une qui... On était en train de parler des attributs physiques de Robert. Il a le menton carré, il a les épaules carrées. Il y en a une qui a dit, eh ben, il a la tête carrée aussi. Pourquoi il a la tête carrée?
Ben parce qu'il est tombé d'un balcon, on a la Nouvelle-Orléans, il est tombé sur sa tête. Et comme ça, d'enchaîner sur les particularités de Robert, il y en a une qui m'a fait remarquer que chaque fois que Robert s'approche de Mireille pour lui poser une question, est un peu confus ou un peu embarrassé, il se gratte. Ah. Voilà, c'est incroyable. C'est absolument instinctif. Et alors là aussi, ça y est, il se gratte. Donc il y a le plaisir de profiter de la présence de beaucoup de ces jeunes femmes pour créer, bon, c'est un peu le bouc émissaire, si vous voulez, ou pour se moquer un tout petit peu du petit américain paumé, parce qu'elles se sentent aussi un peu paumées dans la langue étant américaine. La deuxième chose qui m'intéresse dans ce programme, c'est qu'au lieu d'insister sur l'apprentissage de la langue, French in Action insiste sur cela, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Je dis à mes étudiantes dès le début que je suis incapable de leur apprendre le français. Je peux créer les conditions sous lesquelles elles peuvent l'apprendre, et je suis incapable moi-même de leur apprendre le français. Alors, l'avantage de French in Action, c'est que ça vous fait travailler, c'est l'avantage pour le prof aussi bien que pour les étudiants, ça vous oblige de travailler au point de contact entre le savoir et les techniques, les talents visuels des étudiantes. C'est-à-dire que chaque professeur sait qu'il y a des étudiants qui disent ben moi j'apprends visuellement, j'ai besoin de verb charts, j'ai besoin de grammaire. Mais donc elles ont, et c'est vrai, elles ont 20 ans, elles ont 21 ans, elles ont quand même des capacités analytiques. Mais en même temps, il y a un côté. Le côté oral, le côté instinctif qu'il faut développer. Et l'avantage pour moi de French in Action, c'est qu'il faut travailler justement au point de contact de ces deux choses. On ne peut pas simplement présenter le français en tant que bloc de code. Elles ont besoin de ça, évidemment. Il faut apprendre, il faut woodshed, n'est-ce pas, les verbes, il faut savoir connaître les formes des verbes et tout ça, ça pour les manipuler. En même temps, j'insiste beaucoup sur le côté apprentissage par l'oreille, par la voix, par la bouche. C'est-à-dire, il y a, à mon avis, une sorte de bande de données, n'est-ce pas, qui est créée par, ne serait-ce que par le visionnage des programmes vidéo, par l'écoute des programmes audio. Ça s'infiltre, ça se met, ça s'installe dans leur sang. Et souvent, très souvent, je dis à mes étudiantes, bon, on va vous faire passer un quiz aujourd'hui. Quand vous aurez répondu aux questions différentes, ne changez rien, à moins d'être absolument sûr que vous avez répondu de travers pour commencer. Parce que très souvent, elles écrivent la bonne réponse, et puis, deuxième mouvement, elles ont des doutes, elles changent. Et ce qu'il y a, c'est que le côté audiovisuel de French in Action s'ancre dans eux, et la réponse instinctive vient presque automatiquement. Donc, au lieu de les faire répéter, ce que je fais bien sûr, au lieu de les faire uniquement apprendre les formes écrites et visuelles, on travaille sur l'horizon entre les deux. Et ça me semble un challenge particulièrement créateur pour le prof et aussi bien sûr pour l'étudiante. Des challenges à Yale aussi. I'm going to speak in English, but I can also answer questions in French. First, I want to say if anyone has questions for me about what goes on day to day in French in Action, I will call upon my colleagues, Matuku Ngame and Constance Chirac, who actually work on a daily basis with French in Action.
I started teaching with French in Action before Robert and Mireille were actual people, they were drawings. And I well remember my first teaching experience in Yale. It was 1976, and I was given a fascicule, a booklet, and I was told that I should be in a certain room in the bottom of WLH at 9:30 in the morning, and I would have my class. And that was teacher training. I can't imagine being presented with any other type of material and that type of training and still being in the profession all these years later. To some extent, French in Action teaches itself. Or maybe it's that it's based on such natural ways of learning that it feels as if it teaches itself. Now, it's true. As teachers, if we use French in Action, we cannot be sitting down comfortably in our chairs, having prepared something absolutely perfectly packaged that we will deliver to our students over the course of the lesson. We have to be up and around and moving around, and if they don't understand it in French, well, we've got to dance it or sing it or draw it or whatever. It is exhausting, but it's so worth it. It's also exhausting for students. Here at Yale, we meet 5 days a week for 50 minutes per session. Occasionally, there's someone who says, well, why can't we just have like 4 days a week and meet for, you know, whatever the math is, that extra number of minutes. That's just simply not physically possible for most of our students. We're asking them to be fully engaged. We engage them not just intellectually, which is important, and I think anyone who challenges French in Action on an intellectual basis simply doesn't know the method. We also engage them, you know, to whatever extent you are aware of the theory of multiple intelligences. We engage them in so many other kinds of ways. I can't think of another academic pursuit or another method where students are really in touch with their own emotions, where they're encouraged to share their emotions, their ideas, to put aside their own complexes and fears and just get into the game. The friendships that form in these classes are extraordinary considering that they are only using the target language. We've had marriages, not during the academic year, but subsequent thereunto. There are offspring of French in Action marriages. And this is what happens. It is not a method for lazy teachers. It is not a method for lazy students. It is not a method for students who want the teacher to learn for them. You know, when a student says, she didn't do enough to make us participate, no, she really didn't. But it is there, and you heard questions from some of our students. They were not plants. These were kids who decided to come, who could have been sleeping, because sleeping till, you know, 2 in the afternoon is what college students do on Saturday. They came because they wanted to be here. This is what we see, and I consider it a great privilege and a great joy to work with French in Action, to never know what synergy is going to happen with the students, and to play with that and watch them take off and fly with their own linguistic wings. Well, I think both the panelists and the audience members as well should be congratulated on the 9 o'clock start on a Saturday. Maybe I'm just speaking for myself, but I'm once again going to abuse the position of moderator to lead us into the discussion section where we hope to have not only your questions but also your observations about teaching with the method. But I'd like to talk about the professor's two bodies. That's to say, the course begins, as we already know, with Pierre Capret saying, moi, je suis le professeur. Et donc, les étudiants, on a deux, parce que nous aussi, nous sommes des professeurs. Alors, comment établir ce rapport? Qu'est-ce que c'est ce rapport, d'abord? Quel est le rapport que vous avez avec les étudiants s'il y a déjà un professeur dans la salle de classe? Qui êtes-vous, alors?
Est-ce que vous avez des expériences particulières là? Est-ce que vous avez des méthodes pour négocier ces deux cours du professeur? À Wellesley, c'est facile, parce que comme il n'y a pas de garçon en général dans la classe, donc Pierre est le seul élément masculin avec Diego, quelquefois. Pour toi, je dis pour moi. Donc voilà comment je résous la question. Il est professeur et elle est professeure, donc voilà, il y a le masculin et le féminin, et ça marche très très bien ça. Alors Barry, vous avez c'est un couple infernal, mais bon. Bien différent, oui, j'imagine. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu, mais en moindre, le cas de Robert. C'est-à-dire que, bon, c'est pas que j'en se moque de toi, Pierre, mais le professeur est là, il est statique, il est formidablement motivant, mais il ne change jamais. Alors, on peut le contourner, on peut suggérer qu'il fait partie de la fiction en tant que personnage, et à l'occasion, se moquer légèrement, gentiment de lui. Tout est sujet à réinvention, à imagination, à recombinaison, tout, y compris le professeur. Je pense que vous avez raison, mes étudiants en général disent le professeur de la vidéo, pas vous. Donc ils font une différence, mais ils apprécient beaucoup parce que M. Caprès a de très beaux cheveux. Je pense qu'il, vous avez dit, nous sommes tous très actifs en classe, donc il y a une différence. Vous êtes malheureusement le professeur plus statique et nous sommes les personnes, les marionnettes en fait, qui bougent devant les étudiants sans arrêt. Donc pour eux, il y a une différence. Mais quand il parle de vous, c'est le professeur de la vidéo. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'étudiants, c'est une vraie découverte d'apprendre que. Ils savent très bien que Robert et Mireille sont des rôles joués par des acteurs, mais d'apprendre que le professeur, c'est un vrai professeur qui risque de voir dans la vraie vie, alors là, ils sont abasourdis. Et puis, il faut dire aussi que moi j'utilise mon collègue comme membre de l'équipe à l'écran, c'est-à-dire... J'arrête très souvent la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que Robert va dire maintenant? Ah ben, il m'arrive aussi d'arrêter juste avant que M. Capret dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça va être utile pour apprendre le français. Non, mais ils sont capables donc de jouer le jeu et on peut se cacher derrière le professeur de l'écran ou bien se mettre à côté de lui. Mais ça ne pose pas de problème. J'en vois très bien. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit l'autre jour que je commençais à avoir des cheveux gris, que c'était très distinct. J'ai dit merci beaucoup. Asseyez-vous un peu plus loin, s'il vous plaît. Et nous jouons, je crois, un grand rôle de compréhension. Parce que c'est difficile quand on attend pour la première fois French in Action. Et si on l'a joué sans arrêter la vidéo, alors on peut faire ça de temps en temps, mais les étudiants sont un peu perdus. La première fois. Alors pour moi, c'est très important que j'aide vraiment à comprendre ce qui se passe en arrêtant la vidéo, en posant des questions aux étudiants. Vraiment, c'est un rôle majeur. Je crois que Professeur Capret, il peut prendre 50 minutes pour expliquer deux ou trois lignes, n'est-ce pas, de French in Action. Et puis, c'est très important que le professeur prenne un rôle pour aider et vérifier la compréhension des vidéos. Parce que nous avons fait des tests un peu, je vais parler un moment en anglais, parce que c'est social science research, but we did a little research on how to introduce the videos with the students. And over the years, we found that when you play the video the first time with our students, and you can't generalize to any other students, these are only with our students at my university, that the first time through, if the teacher really doesn't stop it or starting, they're really understanding less than half of the video. And so if you really want to improve that comprehension, then the teacher has a major role to play in providing support
to the students. And that's the whole idea of social cognition. And cultural education is just to act as scaffolding for students. When we're teaching grammar, we provide them scaffolding by asking co-construction rules. And when they're watching the video, I think the teacher has a tremendous role to play in providing comprehension, scaffolding for the students. I hadn't thought about this until I heard my colleagues speak about it, but I think there's another aspect to it, and that is we are their allies, their champions. French Connection is what it is on the video, and Pierre Capretz is part of that. And we are their advocate. We are their helpmate. We are their media. We are the meneur du jeu, and we interpret the materials for them, or help them interpret them, help them access them. Mais moi, je n'arrive pas à écrire aussi rapidement que Pierre au tableau. I can throw it open to the audience, but I think I might steal one more question. French in Action is an entire universe. And Barry, you might particularly be able to speak to this because you know more about that universe than perhaps certainly more than most, perhaps with the exception of Pierre, who's perhaps the only exception in the building. But there are so many allusions cachées, you know, to different pieces of theater, to different cultural references. Most of which I imagine we can't bring out in the 50 minutes in the day that we have. But what's the way in which you approach that surfeit, that extra that comes along with this univers de French in Action? Parce que ça dépasse les bandes de 50 minutes. You're talking about cultural information, or you mean literary, filmic? Both, yeah. Well, one has to decide, of course. The cultural information I take very seriously and try to broker for them. I'm going to think of an example where there was a linguistic and cultural point being made at the same time. Yes, sure. I mean, the time when after Mireille has talked to Guylaine on the phone and she gets up to go to the fac and Marie-Laure says, tu t'en vas? And Mireille says, oui, où tu vas? À la fac. Tu as des petits amis anglais à la fac? Before that, she has said, maybe in an AFS, I'm confusing the two, excuse me. But in any case, one point, Mireille talks about her petit ami anglais, or her amis anglais, and Marie-Laure says, à moi, mes petits amis, ils ne sont pas anglais. Now, that's a wonderful example of mise en relief, you know, putting the important word at the end of a rhythmic group. And this is something that I think is maybe one of the two or three most important things to teach students, is how to understand the intonation patterns, the prosody patterns of French, that you can't simply accent a word in the middle of a verse, you've got to put it at the end somehow. So, moi, mes petits amis ne sont pas anglais. That kind of thing I bear down on pretty heavily. Whether I would, you know, take a lot of time to explain a reference to Fujita or to, you know, a number of things that come in, especially in the later lessons, I think that's already pretty well done in the videos. I also don't happen to have any specialized knowledge about Fujita or many of those things. So I guess I don't insist on them as much, but others may have different approaches. Moi, j'ai expliqué une fois la débâcle quand même de 40. Ah oui. Voilà, ça donc là, elle connaissait pas la référence. J'aimerais bien pouvoir leur... On leur parle de Romère un petit peu, donc quelquefois je leur montre des petits extraits du Genou de Claire, ou bien ça m'est arrivé, surtout quand je faisais le programme en deuxième année,
Parce qu'en première année, c'est quand même, il faut vraiment qu'elles acquièrent la langue. Mmh. Mais si en deuxième année, par exemple, quand Jean-Pierre demande « Vous avez du feu ?» montre un petit passage de Godard, par exemple. Et c'est ça qui est génial dans le programme, c'est que pour un prof, il y a toutes ces allusions culturelles, cette espèce d'intertextualité qui est très agréable, en fait. Donc, moi, j'ai essayé de le faire, mais en deuxième année. En première année, on ne peut pas vraiment. Il faut vraiment qu'elles acquièrent déjà la langue. Quoi. C'est-à-dire, on devrait enseigner French in Action chaque année. Quand je parle de deuxième année, je parle de deuxième niveau, en fait. Oui. Hein, c'est ça. Mais à tous les niveaux, on peut. Voilà, c'est ça, on pourrait. On pourrait parce que. Ouais. Mais il y a un peu ça. J'ai mon frère qui n'est pas bilingue, mais il a appris le français à l'école. Et lui, il regarde French in Action pour son propre plaisir. Et chaque fois qu'on regarde, on découvre quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Donc, si on a des étudiants qui ont de la difficulté à apprendre tout ce qui est dans la leçon, c'est vraiment pas la peine de proposer autre chose. Mais quand on a des étudiants super motivés ou super doués, on peut très bien passer du temps avec eux, discuter le côté culturel. Et puis, culture, bon, il y a certaines choses pour le Minitel, moment de silence. Il voit quelque chose qui ressemble un peu à un ordinateur, là. Alors, j'arrête, je parle du Minitel. Mireille qui dit « Bonjour, Madame Rosa ». Pas simplement « Bonjour ». Bon, ça vaut le coup. Ils apprennent des éléments de culture qui sont essentiels si jamais ils vont aller en France. C'est dans la méthode. On peut exploiter tout ce qu'on veut. Si on veut faire un cours sur ce que les gens mangent, tout est là. Si on veut faire un cours sur les différentes expressions pour l'achat et la vente, tout est là. Ça dépend de vous, ça dépend du prof. La gestuelle. C'est tellement riche, c'est tellement dense. C'est plutôt l'embarras l'embarras du choix, un excès de richesse. We even did that fascinated me even in first year how much culture the students were picking up without the teacher even talking about it. So we designed two studies. We did them one in 102 and one in 101. Again, you can't generalize beyond our studies. But what we did was we developed a pre-post test design where we took culture that was embedded in French in Action. And we included both little C, what used to be called little C culture, and big C culture. Now it's been changed pretty much to patterns and practices, products and practices by the national standards. But we picked out things like, we tested students on information that the teacher didn't emphasize in the classroom. And we tested if they knew it at the beginning of the semester versus at the end. And for things like for little C or practices, what if you needed a mailbox in France, what color mailbox should you look for? Mm-hmm. And then it was multiple choice, blue, yellow, red, so forth. If you were sick and needed to get to a pharmacy, what would be the sign that would indicate there would be a pharmacy? We never said that. That wasn't one of the things we were concentrating on class, but the correct answer would have been a green cross. That would be the idea that you're at a pharmacy. And then we asked some questions about Homo erichromo, the MLF. So we make things about the French education system, things that children after might do after class in France. And we tested students before French in Action and after French in Action, and we found a significantly overall increase in the cultural knowledge of points that we didn't emphasize in the classroom from the beginning to the end. And there was a tendency for them to remember more practices than products. They remembered both. They learned practices and they learned products of culture. But a tendency for them they knew more practices about French culture at the pre-test, and they knew more about practices at their post-test. But they gained overall knowledge in both over the course of the semester. And I thought that was very exciting, because that means video has the power, even if we as teachers aren't emphasizing it in the classroom. And we were concerned that there was informational processing going on. If the students were having difficulty just understanding what was happening with their limited amount of French, maybe that was too much for their brain to process to also having them learn culture at the same time. Because if you believe in informational processing, our mind is limited in its capacity. And is at a point where there's just so much new knowledge and we just stop because we can't keep it in our short-term memory. So we were interested to see if with the students having the cognitive load of trying to find out what was happening in each of these videos, in the language,
could they also pick up the culture that was embedded in the videos? And in our two studies, which again is limited because it's only two studies, they were able to do that. And so that bodes well that video and technology has a tremendous potential for teaching culture as well as language. So I wanted to just get that out to you because I think those are interesting findings. Terrific. Well, we'll turn the questions and comments over to you now. Does anyone wish to begin? Questions for our panelists or comments about their experience of teaching with French and interaction? Otherwise, I'll have to start asking questions about Swedish-American relations and whether they've suffered because of French and Ashton. Yeah, I just had a quick question in response to the picking up on the cultural references to the videos. There are some times when you are going to be encountering a French speaker who might be from a different country with a slightly different cultural habits or societal habits as well. And there are also cases such as mine where we come from a French background, but having been in this country for so long, we're pretty much losing it. And so I wanted this program, because it is very effective, in the hopes that I'm not going to lose the language of my grandparents, which I was in danger of losing. So while they're from Canada, it's not the exact same dialect or accent, it still helped me to retain the language itself. But as far as the cultural references, a lot of those cultural references wouldn't really relate. So if you were encountered with a student whose family background or maybe their own personal background is not actually the culture of France, how would you still help them to glean the most as possible from these videos in that instance? I'd say I would start with quick search on YouTube. I mean, if there's a student who's interested in that, you know, this is again where technology is extremely useful. Okay, in France, in a certain society, people do X, Y, or Z. Well, my family is from Senegal. Fine, let's see, let's take a look at YouTube, let's see if there's, you know, Dire bonjour au Senegal. You know, someone somewhere has filmed it. So I would, and I would probably, if the student expressed the interest, mm-hmm. I usually say to the student, hey, that sounds great. Why don't you look into that? And you can come back and we'll take a look at what you found. But I think the, you know, definitely using technology for something like that to broaden and not throw out the hexagonal nature of French in action on the grounds that it doesn't deal with the entirety of the French-speaking world, which as we know is enormous, ladies and gentlemen, every bit as big as certain other languages. Other comments about it? I think it would depend on the context, but if it were the situation you presented were on campus, it would be probably very likely that someone could be found on the campus. Our campuses are full of international students, and probably you could find someone who would tell you how things are done in Senegal. You may also have a faculty member who spent some time or done some research on that other Francophone country, who could be helpful. We have students who spend a semester in Cameroon, so they could be helping and things like that. I'm always careful. I think it's important to explain to students at the outset that this is a series about metropolitan France, that we're not trying to cover the entire French-speaking world, but that there are many, many, many other countries where French is spoken and have different cultural practices. But that in order to present them with authentic language in an authentic cultural setting, we had to pick a culture, and the culture we picked was France, and the place we picked mostly was Paris. And we regret that it's not more Catholic, but it really can't be and still be as effective as it is. So the point is to take the structures, the knowledge, the linguistic things that you learn from that one cultural setting and apply the language, insofar as you can, to another cultural setting in ways that Ruth and Catherine have suggested. Thank you.
Pourriez-vous nous expliquer la façon dans laquelle vous utilisez les questions de la mise en œuvre et également celles de la mise en question dans vos classes? Parce qu'il me semble qu'il y a un décalage. La mise en œuvre est essentielle entre les deux. Pour comprendre, non, mais pour pouvoir utiliser le langage de chaque leçon. Enfin, la mise en œuvre, qui est structurée en deux moments, vous savez, d'abord on écoute, on répète, et puis après il y a des questions qu'on pose et auxquelles on répond avec les bouts de phrases qu'on vient de répéter. Donc c'est une façon de faire deux fois le même emploi de chaque expression. Ça me semble absolument essentiel. Et d'ailleurs, quand on les teste, quand on leur donne des quiz, enfin du moins chez moi, la première partie est toujours une question à propos de ce qui s'est passé dans la leçon, et ce sont des questions qui sont tirées presque directement de la mise en œuvre. Donc ça me semble fondamental. La mise en question, j'utilise moi pour animer la discussion en classe, ou bien je demande aux étudiantes d'écrire, de répondre par écrit aux questions de la mise en question. Elles ne sont pas, elles, dans mon cas, ne sont pas censées les faire systématiquement, mais je leur demande de les faire de temps en temps quand des questions me semblent intéressantes ou particulièrement probantes. Moi, ce que je fais quelquefois, c'est de leur... si nous, à OLCR, on a trois cours par semaine, et le dernier cours, avant le quiz, je leur donne par écrit, et je les mets en petit groupe, et donc ce n'est pas directement la mise en question, mais je leur demande elles doivent faire la mise en question en petit groupe. Voilà, donc c'est une façon pour elles de partager ce qu'elles ont appris et d'avoir aussi, pour certains éléments, d'avoir un petit peu la version écrite, même si on insiste sur l'oral, et qu'à la fin de la semaine, il y ait la possibilité de lire des questions et de travailler en groupe à travers une lecture de questions. En fait, ma question s'adresse à l'écrit par rapport à l'oral. Pour vous, en tant qu'enseignant, moi, je m'intéresse beaucoup à l'écrit, aussi bien qu'à l'oral. Par exemple, la libération de l'expression à la fin, j'aimerais bien savoir si vous faites faire des sketchs ou si vous faites écrire, ou comment vous faites pour l'écrit aussi bien que pour les sketchs, par exemple. Comment vous trouvez le temps? Moi, je ne trouve pas le temps de faire des sketchs, alors donnez-moi des idées. De faire les petits dialogues. C'est vrai que de temps en temps, je suis à court de temps, alors je les fais répéter ensemble, en groupe. Pour l'écrit, mes étudiants écrivent chaque semaine. Donc ils ont une interrogation chaque semaine, ils ont un devoir écrit chaque semaine. La longueur est plus ou moins une page. Ils écrivent en général plutôt bien. Je dirais que ils sont divisés en deux. Ou bien ceux qui restent coincés à un certain niveau, par exemple French 101, ce semestre, ceux qui me font une page, et chaque fois c'est « je ai » plutôt que « j'ai ». Et puis alors il y en a qui sont déjà bien au-dessus et qui écrivent merveilleusement bien. En fait, j'avais pensé vous lire une petite rédaction d'un de mes étudiants. C'est un étudiant chinois qui parle relativement bien anglais. Alors, mon portrait. Bonjour, je m'appelle Boyan. Pourquoi? Parce que c'est un joli prénom chinois. Mais ce n'est pas facile à prononcer. Je suis un étudiant chinois. Il avait fait une faute, il avait écrit « Je suis étudiant D-I-E-N-T ». Mais je n'étudie pas en Chine. Cette faute-là, je étudie en américain. He doesn't know the word Amérique. Je ne suis pas riche et je ne suis pas pauvre non plus. Je suis aisée. D'abord, ça va être mon portrait physique. Il écrit « Je suis ni grand ni petit », j'ai ajouté le « ne », je ne suis ni grand ni petit, mais je suis plus petit que les Américains. Est-ce que je suis fragile? Non, je suis solide et robuste, mais je ne suis pas gros du tout, je n'ai pas de ventre. Ma santé est excellente, je mesure 1m71 et je pèse exactement 71 kilos. Tiens, tiens. Je suis plutôt sportif. Qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup,
deux sports. Très bien. Je fais du ski, du basket, du patin à glace, de natation. J'ai les épaules larges et j'ai le menton ovale parce que mon visage est ovale. Mes cheveux sont noirs et mes yeux sont aussi noirs. Pourquoi? Parce que je suis chinois. Mais je préfère les yeux bleus. Dommage. Et les sourcils. Alors il a écrit qu'est-ce que j'ai? J'ai corrigé. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai les sourcils blonds et fins? Non, je n'ai pas de sourcils blonds et fins. Donc il a confondu les deux règles. J'ai les sourcils noirs et épais. Est-ce que j'ai une moustache? Mais oui, j'ai une moustache courte et j'ai une barbe courte aussi. Maintenant, ça va être mon portrait moral. Je suis vif et j'ai l'esprit rapide parce que j'aime le sport. Je ne suis pas stupide du tout. Je suis plutôt raisonnable et intelligent parce que j'adore les maths. Je suis aussi sociable. Il écrit « je suis sociable aussi ». J'ai bougé là aussi. J'ai beaucoup d'amis et beaucoup de relations. Ils sont utiles. Nous faisons souvent du basket. Pourquoi? Parce que c'est très amusant. Mais je peux laisser un peu de temps pour étudier et pour faire la sieste. Est-ce que je suis moqueur? Mais non, je ne suis pas moqueur du tout. J'aime beaucoup ma famille et mes amis. Oh, je vais être en retard. Je vais à la fac pour apprendre le français avec mes amis et mon professeur Catherine Ostro. Ça va être amusant. Excusez-moi, je suis pressée. Au revoir. Non, c'est pas pour moi. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est pas grâce à moi. J'aime beaucoup les pourquoi. Pourquoi, oui. Mm-hmm. Une technique que moi j'utilise de plus en plus, et j'avais un peu peur d'essayer, mais ça a l'air de marcher. Je corrige de moins en moins l'écriture écrite. Et je trouve que les étudiants font encore du progrès, bien que je ne corrige pas avec mon stylo rouge. Si on demande beaucoup d'écriture, mes étudiants écrivent au moins deux fois par semaine avec notre programme Learn French, oulala, quelle aventure, c'est un online programme au JT. Ils écrivent deux fois par semaine avec ça. Ils écrivent les choses en classe avec French in Action, par exemple les skits, mais je ne corrige pas. Ils écrivent des compositions quatre fois ou cinq fois par semestre et je corrige ça. Mais pour la plupart, si on ne prend pas le stylo rouge, c'est très difficile pour un professeur de laisser les fautes rouler et de bon, je ferme les yeux. Mais à la fin du semestre, si on utilise French in Action et on donne les quiz, on donne tous les quiz chaque semaine en French in Action, alors ils préparent évidemment la grammaire pour les quiz. Les quiz sont tous écrits. Mais l'écriture s'améliore pendant le semestre, bien que je ne corrige pas toujours le travail. Ça m'étonne, mais en effet, la recherche indique ça, que c'est le fait d'écrire qui aide vraiment beaucoup l'écriture. Peut-être le stylo rouge du professeur facilite aussi leur travail, mais laisser les étudiants vraiment libres à écrire, ça aide aussi. Et c'est une suggestion, parce que surtout, nous sommes occupés, les professeurs. Moi, je n'ai plus de temps. Hein. Tout le monde a tellement de choses à faire. Si on corrige tout ce qu'ils écrivent, on ne finit jamais. Mon mari me dit, ma Carole, qu'est-ce que tu fais? Ne dors jamais. Toujours en train de corriger les copies le soir. Tu n'es jamais libre. Et puis, les gens critiquent les professeurs parce qu'on dit, on dit que nous ne travaillons pas assez, les professeurs. Mais moi, je me regarde et je travaille tout le temps. Je suis toujours en train de corriger soit les quiz, soit les compositions écrites. Alors, mes suggestions pour vous, c'est pour attraper un peu votre temps personnel, corriger un peu moins, et les étudiants demandaient encore de l'écriture, mais corriger un peu moins, et vous allez voir encore des progrès. C'est un peu miraculeux, mais si les étudiants s'intéressent à ce qu'ils écrivent, c'est très important. S'ils ne sont pas engagés dans le sujet, ça ne marche pas. S'ils aiment ce qu'ils écrivent, ils vont écrire et ils vont aussi peer correction en classe. Ça aide beaucoup. Je vais parler un moment en anglais parce que my English is always better than my French, but if you just have them peer correct in class, the pressure of knowing, and they know that anything they can write for me, I can bring it up in front of the classroom. That's our deal at the beginning. You know, if I ask you to write something, be ready to have everybody read it in class, so don't get too personal in your writing. That is so much pressure for them to do a good job, because when it's flashed up in front of the classroom on the computer screen and they read it and we read it together and we correct it together, they're careful about what they write. And that saves you a lot of time. Even, and we do that in 101 too.
people are afraid that students are going to copy each other's mistakes. I don't find that to be the case. I find from my own peer editing with the students that they actually learn quite well from each other's mistakes. So to save your time and to get the students to write more, my suggestion is correct less and see what happens. What I was going to say was also being very careful about what you give as subjects, because you know one of the reasons why, as teachers of language, we really need to create an affectively supportive atmosphere in our classroom is because we've pulled the linguistic rug out from under our students' feet to some extent. That's certainly true in high schools. It is particularly true in universities, and even more so, I would guess, at Ivy League Seven Sisters top-tier universities, where our kids are used to being very verbally sophisticated. And here we are throwing them back to the point where they are less than a second grader. If we give writing topics which require our students to use linguistic tools that they do not possess, they are going to fall all over themselves. They will be incredibly frustrated. They will be producing what could euphemistically be described as junk. And it will be that much more difficult for us to hold that red pen back and not have the vomit bag nearby. I think if we keep it very simple, if we give them good, clear instructions that in this particular assignment we would like them to use a certain number or particular set of expressions, then they can build, and indeed the progress will be there. But they're very optimistic usually. They want to say more than they can comfortably say. They want to write more than they can comfortably write. And forcing them to simplify and slow down is part of our job as teachers, because we do, you're not going to give a sharp, sushi knife to your two-year-old to play with. I mean, I think it's similar. We're not going to give our students who are linguistically only able to handle blunt objects something sharp and pointy and dangerous. And I think as adults, and our students are adults, they have a lot they want to say, and they say so much in their other classes, and then they come into our classes. And I agree, too, that we have to really control, give them very interesting assignments, but things that have limited vocabulary. And one of my students said, but Professor Heron, every time I use a dictionary, I make a mistake. I said, then don't use a dictionary. Well, I didn't tell you to use a dictionary. You should be able to write what I assigned to you by just what you're learning in the class with French in Action. There's not a dictionary that's needed. And I've gotten to the point that I put lines, one, two, three. Just write three sentences, because if you write six, then how am I supposed to know what's correct or not? And to just hold yourself back. If I've asked for three, please just write three. And I know that's hard because they think you're impressing you, but then they, when they're trying to impress you, they're also, when they're writing, they're also making mistakes. And then how do you know which ones to count off and which ones not to count off? And to give them credit for being adventuresome or not to give them credit for adventuresome. So structure, I think that's what we're trying to say. Structure is so important, and guiding principles, especially for writing, I think is real helpful. Pour les dialogues, en fait, une façon de le faire, s'il n'est peut-être pas le temps de le faire en classe, c'est de le faire d'une façon individuelle. Par exemple, dans mon French 101, et même les cours accélérés, je donne trois examens oraux par semestre. Elles se mettent en groupe et elles présentent des dialogues, mais devant moi, si ce n'est pas devant la classe. Et à la fin du semestre, elles doivent présenter un dialogue devant la classe, enfin une réinvention de l'histoire plutôt qu'un dialogue. Mais autrement, de le faire individuellement, ça permet vraiment d'être une revision, en fait, des structures qu'elles ont apprises. Et c'est très, très clair ce qu'on... Les instructions, comme vous le dites, sont très, très claires, ce qu'elles doivent connaître. Et aussi de les prendre individuellement et leur poser des questions, soit improvisées, soit qu'elles ont préparées, ou qu'elles vous posent des questions à vous. C'est une façon de renverser un petit peu le rôle professeur. Donc ça, c'est une méthode aussi qui marche assez bien.
I'm going to put an artificial limit to our comments today, but we've clearly seen the passion for teaching and the concern and care for the students that has made our panelists such extraordinary teachers. So please join me in thanking them for sharing a bit of that with us today. French in Action was created by Pierre Capretz and was originally published by Yale University Press in 1987.